Trio et un dispositif d'orientation du court au moyen vers le long métrage, donc avec un accompagnement d'auteurs et de producteurs et une aide au développement de carrière de compositeurs, couplée d'une résidence de musique de film qui se déroule à Villefavard. Dans la résidence, tout part de l'écriture et du scénario. On commence par parler de ça. Et je pense que Richard a des outils très forts pour travailler le scénario, qui permettent de se poser les bonnes questions et du coup de transmettre les bonnes questions au compositeur. Il y a Marie-Jeanne qui est là, comme une traductrice, comme une interprète entre le langage des auteurs et le langage musical des compositeurs. Aujourd'hui, qu'il y a cette personne qui est là pour faire la traduction, je me rends compte à quel point on a des langages complètement différents. Se poser la question de la musique, c'est se poser la question de la perception dans les spectateurs du scénario. Et du coup, on est vraiment au cœur du projet, quoi, grâce à la musique. Je trouve ça pas mal de parler de musique de film. En plus, le producteur, il est bien placé, parce que justement, il y a le metteur en scène qui est dans son truc, et qui sait exactement ce qu'il veut, puis d'autres qui ne savent pas forcément ce qu'il veut. Et tout d'un coup, le producteur est un peu un facilitateur, peut être un facilitateur s'il fait son boulot correctement, de proposer des gens nouveaux ou de faire écouter des bandes. Tiens, sur telle séquence, je pense à ça, qu'est-ce que tu en penses? Le fait de voir les autres présenter leur projet, c'est inspirant d'une part sur certains mécanismes dramatiques d'écriture, mais surtout c'est stimulant parce que ça peut donner des idées. Parfois, ce n'est pas simplement technique, et c'est juste des pistes parfois pour nos histoires sur les potentiels qui restent à explorer, qu'on n'a pas forcément envisagé. C'est vrai qu'en tant que compositeur, on n'a pas souvent l'occasion d'assister au travail des réalisateurs sur leur scénario. Et là-dessus, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est une bonne manière pour les compositeurs d'appréhender le travail avec un réalisateur. Et également pour les réalisateurs d'appréhender la musique dans les films, parce que c'est quelque chose qui se fait pas, qui s'apprend pas en fait. Et donc du coup, c'est vraiment une bonne école, je pense, pour que les deux se rencontrent, s'apprivoisent et puis voilà, et apprennent à travailler ensemble. Donner à lire le scénario à plein de gens et que chacun me donne un peu son avis sur où j'en suis me permet de me situer, de savoir avec qui je suis d'accord, pas d'accord, et du coup j'y vois un peu plus clair et j'espère que j'y verrai encore plus clair avec du recul, quoi. C'est magnifique de voir naître des projets ici, des collaborations ici, et depuis qu'on a créé le dispositif, maintenant il y a quasiment une dizaine de films qui ont été réalisés avec des tandems, voire des trios qui se sont rencontrés à la ferme de Villefavard, dans le cadre de cette résidence. C'était vraiment super en tant que producteur de participer à une résidence artistique. Ça ne nous arrive pas tous les quatre matins. On voit plein d'intervenants, on a le temps de se connaître, de partager beaucoup, de réfléchir à son projet, mais au projet des autres aussi. Dans un lieu aussi propice à la création, aussi inspirant, on a envie de venir avec un papier de musique. On est dans un havre de paix qui est vraiment propice à la création. C'est un lieu isolé, chargé d'histoire et chargé de musique partout. Il y a des pianos, il y a une magnifique salle de concert. Donc on est vraiment en vase clos et on peut se concentrer beaucoup sur les idées, les échanges, et on oublie complètement l'extérieur. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec surtout des compositeurs et des auteurs qui sont en plein dans la création, en plein dans l'ouverture du champ des possibles émotionnels, musicalement parlant, quoi. Donc chercher un vocabulaire qui traduit plus l'émotion que la musique donne ou cherche à donner au film, ça nous paraît très intéressant. En cherchant un vocabulaire commun, on apprend à se connaître, et pour finir, on parle de ce qui est le plus important, c'est l'émotion.